Alors, on est prêt et on commence par récapituler. Ce qui permettra en plus à ceux qui n'ont pas pu assister à la première séance de raccrocher. Alors, soit M, j'ai une variété riemannienne. De dimension finie, de dimension n, munie d'une mesure nue, d'une mesure de référence nue de dx égale exponentielle moins v de x volume de dx. Ici, le volume riemannien. On dit qu'elle vérifie le critère courbure dimension Kn avec K un nombre réel et N appartenant à N plus l'infini si elle satisfait l'une des propriétés équivalentes suivantes. Première propriété, le tenseur Ricci n nu, qui par définition est le tenseur de Ricci, plus la Hessienne de V, moins grade V tenseur grade V, divisé par grand N moins N, est supérieur ou égal à K fois le tenseur métrique. Et ce, partout sur la variété. Partout sur M. Partout sur M, et donc pour toute direction tangente, hein, inégalité au sens des matrices symétriques, donc pour tout xi, quel que soit x appartenant à txm, quel que soit xi appartenant à, quel que soit x appartenant à m, pardon, quel que soit xi appartenant à txm, Ricci de xi xi, Ricci k, Ricci n nu de xi xi est supérieur ou égal à kg de xi xi. Deuxième propriété, ce sont des inégalités jacobiennes. Sur l'application exponentielle, exponentielle de t grade psi, pour tout, fonction, disons, de classe C2, était assez petit, était tel que déterminant de exponentielle t grade psi reste strictement positif, et t grade psi soit une géodésique minimisante, donc pour tout t assez petit, et l'inégalité, ça va être, alors il y a plusieurs choix, on en avait donné plusieurs la dernière fois, et je vais en retenir une qui sera L point point de t supérieur ou égal à k gamma point carré plus, alors k gamma point carré plus L point carré sur n. Et ça ici, c'est gamma de t, égale exponentielle t grade psi. Bon, et ceci pour tout x. Pareil pour tout x et pour tout t assez petit. Donc je vais le long d'une géodésique minimisante, et j'ai cette inégalité où par définition, L, c'est moins le logarithme du déterminant jacobien, de exponentielle t grade psi. Alors attention, déterminant jacobien pour le volume nu. Autrement dit, le jacobien, c'est ce qui vous permet de faire le changement de variable. Et dans ce changement de variable, on tient compte du fait que la mesure de volume qu'on utilise, c'est nu,
et pas la mesure de la mesure volume. On tient compte de ce que la mesure est nu de dx et non volume de dx. Ok, et on a vu qu'il y avait plusieurs façons de réécrire ça et que voilà, on pouvait l'écrire en fonction du déterminant jacobien, on pouvait l'écrire en fonction du déterminant jacobien à la puissance 1 sur n et ainsi de suite. Gamma ici, gamma de t c'est exponentiel. Gamma de t c'est exponentiel t grade psi. Gamma de tx c'est une notation pour exponentiel t grade psi de x, partant de x. Hein, je suis là, je pars d'ici en x, ici j'ai grade psi de x, et je suis la géodésique, et ça, ça me donne un gamma de t, qui est exponentiel t grade psi. Alors je pourrais aussi, ici, gamma point au temps initial, c'est gradient psi, mais après quand on suit la géodésique, c'est plus gradient psi. Il faut évoluer psi par l'équation de Hamilton-Jacobi pour que ça reste un bon gamma psi. Je vais l'écrire aussi. Équivalent L point point de T supérieur ou égal à K grade psi T carré grade psi T de grade psi T de exponentielle T grade psi carré plus L point carré sur N où grade psi T vérifie d rond psi sur d rond T plus grade psi carré sur 2 égale 0. L'équation qui vous relie les géodésiques au champ de vecteurs. Si psi évolue par cette équation, alors gamma point de t est égal à grade psi de x en chaque t, en chaque x. Bon, en tout cas, le long de la géodésique, le long de chaque géodésique, on a une inégalité sur déterminant jacobien. Ici, j'ai x, je regarde ici la géodésique qui part de grade psi, et si je regarde cette application-là, son déterminant jacobien, en fonction du temps, le long de la géodésique, il évolue selon cette inégalité différentielle, qui est une inégalité de type Riccati. Voilà, inégalité quadratique de type Riccati, second ordre. Et plus généralement, des inégalités jacobiennes qui permettent de comparer avec le déterminant jacobien de l'exponentielle sur une variété de référence. Bon, donc ça c'est là, il y avait une première formulation, une deuxième formulation, et il y a une troisième formulation équivalente, une inégalité fonctionnelle à la Bochner, du style, pour tout psi, lisse, laplacien, grade psi carré sur 2, moins grade psi, scalaire gradient laplacien psi, est supérieur ou égal à k gradient psi carré, plus, alors, je ne vais pas mettre laplacien, je vais mettre L, plus L psi carré sur 2, sur N, où L est égal à laplacien moins V scalaire gradient. Voilà. Et la première et la deuxième formulation, il y a équivalence par la dualité Lagrange-Euler. Comme j'avais expliqué la dernière fois, déterminant jacobien, c'est le point de vue lagrangien, formule de Bochner, c'est le point de vue eulérien. Et c'est rigoureusement la même inégalité. Ok.
Alors, on avait dit ça. On avait aussi dit que, en outre, comme la courbure ne se fait sentir, ne se fait pas sentir dans la direction du mouvement, on peut raffiner ces inégalités et gagner un facteur n sur n moins 1 en se restreignant à ce qui se passe orthogonalement au géodésique. Comme on disait, typiquement, au lieu de regarder le déterminant jacobien complet, on regarde seulement le déterminant jacobien correspondant à ce qui se passe dans les directions transversales à la direction du déplacement. Et alors, on a la même inégalité que ce qui est là, sauf qu'au lieu du n, on a ici un n moins 1. Par exemple, donc ainsi, ça serait l point point orthogonal supérieur ou égal à l point orthogonal carré sur n moins 1 plus k gamma point carré, en regardant juste la contribution orthogonale du jacobien. Et pour celle-ci, on a égalité sur la sphère. Et qu'est-ce qu'on va dire? On a égalité sur la sphère. Et l'exemple que j'avais donné, c'est avec cette inégalité-là, on obtient par exemple le théorème de Bonnet-Myers sur le contrôle du diamètre d'une variété à courbure de Ricci strictement positive avec la bonne constante en racine de n-1 sur k et non en racine de n sur k comme on l'aurait avec celui-ci. C'est juste une indication que pour les constantes, on peut raffiner en regardant seulement ce qui se passe orthogonalement au mouvement. On avait dit ça, et qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Qu'il y a une philosophie qui est utiliser CD de Kn pour comparer à un espace modèle. Et vous avez deux catégories d'espaces modèles, soit les sphères espace euclidien ou espace hyperbolique, les habituels. Par exemple, la sphère de rayon racine de n-1 sur k, ou l'espace euclidien En, ou l'espace hyperbolique avec paramètre racine de n-1 sur valeur absolue de k, ou un espace 1D qui est R avec une mesure appropriée. Mesure qui est obtenue en projetant ici selon un axe. Vous prenez votre sphère, vous la traversez par un axe, vous projetez la mesure volume de la sphère sur votre axe, ça vous fait un espace qui est aussi un espace CD de Kn. Et celui-ci, ça c'est pour n entier, tandis que celui-ci, vous pouvez le faire pour n'importe quelle valeur de R, y compris infini, de n, y compris l'infini. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, l'inégalité qu'on cherche à démontrer, elle ne sera pas pire que l'inégalité dans l'espace modèle, et c'est un principe qui s'applique à beaucoup d'inégalités. On va continuer avec quelque chose dont je n'ai pas parlé la dernière fois, qui sont les coefficients de distorsion. L'éponge. Quelqu'un voit une éponge? Ici, je ne vois rien. Ici, il n'y a rien. Dans les profondeurs, on ne voit rien. Une éponge, vous savez?
Poclore. Hein. Ah, c'est le grand machin. Merci. Et il marche bien. Alors, coefficient de distorsion. Capture très bien l'esprit de la courbure de Ricci par les estimations jacobiennes. Je prends un point X, je prends un point Y. Pour simplifier, je vais supposer qu'il existe une unique géodésique minimisante de X à Y. Donc Y n'est pas dans le lieu de coupure de X. Alors, ce n'est pas équivalent, mais par exemple, on va supposer ça. Bon, et je regarde le long de cette géodésique, gamma, et je prends une petite boule autour de Y. BR de Y. Une petite boule de rayon R. Et puis je regarde toutes les géodésiques qui vont de X dans BR de Y. Et ça me fait une certaine boule qu'on va appeler l'interpolation entre X et BR de Y. Pas une boule, mais un ensemble de points qui est interpolé entre X et la boule BR de Y avec un paramètre T qui varie entre 0 et 1. Et je vais comparer ça au volume de ce que serait l'interpolation si j'étais dans un espace euclidien. Alors, si on était dans un espace euclidien et qu'on avait BR de Y, l'interpolation, ça serait quelque chose comme ça. Et le volume, ça serait T puissance N BR de Y en volume. Et donc, on va faire le ratio et on va faire tendre vers 0, R. Donc on pose bêta t de xy égale la limite quand r tend vers 0 du volume avec un nu, disons, de BR de y divisé par, le ratio entre le volume de l'interpolé entre x et BR de y avec un paramètre t. Et le t puissance n fois le volume de BR de Y. Bon. Alors, comment on calcule ça? Propriété. Si on fait grand N égale petit n et nu égale le volume, hein, donc le cas le plus standard où il n'y a pas de changement de la mesure de référence, c'est exactement bêta t de xy est égal au déterminant de la matrice J01 prise au temps t divisé par t puissance n, où J de t, J01 de t est une matrice de champ de Jacobi le long de la géodésique, matrice de Jacobi, donc avec l'équation J point point plus Rj égale 0, la même qu'on avait vue la dernière fois. Et tel que J01 de 0 est égal à 0, et J01 de 1 est égal à identité. Bon, et si les deux points ne sont pas conjugués, vous pouvez toujours résoudre cette équation-là de manière unique. Et vous pouvez faire des estimations
Alors, la dernière fois, on avait vu comment les déterminants jacobiens, comment les déterminants des champs de Jacobi, ils étaient reliés aux déterminants de l'application exponentielle. Donc, avec cette formule-là, vous pouvez faire le lien avec le déterminant de l'application exponentielle. Et les bornes sur les Ricci se ramènent à des bornes sur les bêta t, dont la plus emblématique, donc borne sur Ricci, alors se ramène à des bornes sur les bêta t, dont la plus emblématique et la plus simple, c'est que Ricci positif, si et seulement si, bêta t est supérieur ou égal à 1, quel que soit x, quel que soit y, quel que soit t. D'où l'interprétation intuitive d'un espace à courbure de Ricci positive, un espace dans lequel systématiquement on fait des erreurs en observant les petits volumes, avec deux façons possibles de voir les choses. Connaissant le volume final, on essaie d'évaluer le volume de l'interpolé. Et si on applique la formule ou l'intuition de l'espace euclidien, on se plante par en dessous, on sous-estime le volume des interpolations. Ou l'autre façon de voir les choses, si on prend en compte l'ouverture avec laquelle nous arrivent les rayons, donc la surface apparente vue du point d'observation, et qu'on extrapole la formule euclidienne, on surestime le volume des sources. La deuxième, c'est la plus intuitive si on veut, je me mets en un point, j'observe la lumière qui arrive d'une certaine source, volume, et à partir de ce que j'observe, j'essaie de reconstituer la taille de la source. Si je ne sais pas que je suis dans un espace courbé, systématiquement je surestime la taille de la source. Et si taille ici est mesurée en tant que volume, ça correspond exactement à dire qu'on est dans un espace à Ricci positif. Alors, les inégalités sur les jacobiens, les inégalités sur Bochner, c'est bien, mais c'est des inégalités différentielles, locales. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer comme conséquence globale de ces propriétés de courbure? Quelles sont les situations dans lesquelles on pourra effectivement faire la comparaison? Quelle situation? Cherche-t-on à faire la comparaison entre CD de Kn et l'espace modèle? Entre une variété CD de Kn et l'espace modèle? Ben, sur toute une liste d'inégalités, dont les plus emblématiques et parmi les plus simples sont les inégalités dites de Bishop-Gromov, qui contrôlent la croissance du volume. Ou inégalité de doublement de la mesure. Qui vous permettent de contrôler le volume de la boule de rayon 2R en fonction du volume de la boule de rayon R. Bon. Et la plus simple, c'est par exemple CD de 0N implique que le volume de la boule de rayon R divisé par R puissance N est une fonction décroissante de R. Et donc, en particulier, le volume de la boule de rayon 2R sera plus petit que 2 puissance n fois le volume de la boule de rayon R pour tout x. Ici, ceci, il faut le comprendre comme une comparaison entre la croissance du volume des boules dans l'espace et la croissance du volume des boules dans l'espace modèle.
l'espace modèle C0n, c'est l'espace euclidien, r puissance n à une constante près, c'est le volume de la boule de rayon R. L'autre inégalité emblématique sur le volume, c'est Brun-Minkowski. Et je vous l'avais énoncé aussi pour CD de 0n, ça vous disait que le volume de l'ensemble des milieux entre deux points x et y était supérieur ou égal, quand je prenais la puissance 1 sur n, à 1/2 du volume de x à la puissance 1 sur n plus le volume de y à la puissance 1 sur n. Et pareil, il y a toute une famille d'inégalités de type Brun-Minkowski pour tout k et pour tout n. Il s'agit de comparer les volumes des interpolations. Donc les deux là, elles sont liées parce que dans les deux cas, il s'agit de contrôler des volumes dans des volumes avec une notion de géodésique derrière. Autres inégalités, le contrôle du diamètre. Ça, c'est le contrôle du diamètre quand k est positif et n est fini. Ça, c'est l'inégalité de Bonnet-Meyers. Autre inégalité trou spectral ou inégalité de Poincaré L2, un truc du genre intégrale de f des nu égale 0 implique intégrale de f carré des nu inférieur ou égal à alors une constante fois l'intégrale de gradient f carré des nu. La bonne constante en l'occurrence étant n. Alors, c'est quoi? C'est n-1 sur nk. Si on est dans un espace CD de nk avec k strictement positif. CD de kn, k strictement positif. Pareil, vous avez égalité pour la sphère. Autre inégalité. Poincaré local, Poincaré L1, une inégalité qui vous permet de faire le lien entre des variations sur une petite boule et les variations sur une plus grande boule. C'est genre l'intégrale de U moins la moyenne de U par rapport à la mesure nu. Ici, je mets comme ça la moyenne des nu. Donc la moyenne de U moins sa moyenne doit être contrôlée par C. Alors si je me mets sur une boule de rayon R par exemple, C sur R, la moyenne sur la boule de rayon 2R, ça c'est la plus emblématique, et c'est U ici. Et il y a toute une famille comme ça d'inégalités qui, à partir d'un contrôle sur la variation moyenne de U au sens du gradient, vous donne un contrôle en moyenne de U sur une boule un peu plus petite. Et qui servent à démontrer des propriétés, parfois pour R très petit, parfois pour R très grand. Pardon ? C fois R, pardon, merci. Évidemment, parce que ici, c'est homogène à l'inverse d'une distance, donc il faut que je compense avec une distance ici. Inégalité de concentration. Par exemple, laquelle on va donner. Par exemple, concentration de type gaussien sous hypothèse CD K infini. Une des versions serait que, par exemple, que pour tout n, nu tenseur n, de l'ensemble des
point x tel que f de x est supérieur ou égal à m, la médiane de f, plus r, ici c'est la médiane, ici c'est une fonction 1 Lipschitz sur le produit m tenseur n, et dire que ça est plus petit que exponentielle moins k r2 sur 2, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Ça, c'est des hypothèses d'inégalités de type concentration. On va mettre aussi dans la liste des inégalités qui sont associées à CD de Kn, les inégalités d'isopérimétrie. Et tout à l'heure, on va en détailler celles que j'annonçais la dernière fois. Et puis, on va rajouter, avec toutes sortes d'inégalités isopérimétriques, les inégalités de Sobolev, les inégalités de Log-Sobolev. Voilà. Et puis, on va conclure la liste en disant des inégalités sur le contrôle du noyau de la chaleur. Alors, un exemple. CD de Kn avec K strictement positif, n fini, implique que la norme de F dans L2 étoile de nu est inférieure ou égale à la norme de F L2 carré de nu plus 4 sur Kn n-2. N est strictement plus grand que 2 ici, fois gradient F L2 de nu carré. Et cette inégalité-ci, c'est la inégalité optimale sur la sphère. Sur la sphère Sn de racine de N-1 sur K. Bon. Donc toujours pareil, on a une inégalité. S'il y a CD de Kn, alors l'inégalité est meilleure que l'inégalité sur l'espace, en tout cas pas pire que l'inégalité sur l'espace de référence. Donc ça, c'est la philosophie pour presque toutes les applications de CD de Kn, montrer que ce n'est pas pire que sur l'espace de référence à travers des comparaisons, soit des comparaisons de jacobiens, soit des comparaisons de commutateurs, comme avec la formule de Bochner. Voilà, et pour terminer sur les bornes de, Ricci, toujours dans la théorie classique, je vais mentionner une estimation importante. Le théorème, alors je ne sais pas comment on va l'appeler, je ne sais pas quel est le bon nom en français parce que souvent on l'appelle théorème de Spitting par allusion au nom anglais et tout le monde comprend de quoi il s'agit. Si M est à courbure de Ricci, vérifie. Courbure de Ricci positive, CD 0n. Et il existe gamma, une géodésique minimisante infinie, hein, une application géodésique de R dans M, une ligne, une droite. Alors, vous pouvez factoriser M au sens métrique par la géodésique. Donc R croit un autre espace, M', où M' vérifiera CD de 0n-1. Théorème de factorisation peut-être.
termes de séparation, ça ferait un peu bizarre. Bon. Et celui-ci, il est important dans des questions locales. Quand vous allez étudier localement une certaine situation, et puis vous grossissez, vous faites un blow-up, ça peut typiquement vous écraser votre courbure de Ricci. Elle était minorée, elle va devenir minorée par zéro. Et s'il y a une droite infinie qui apparaît dans le processus, ça va être une direction de l'espace tangent. En analyse non lisse, c'est très utilisé pour construire les espaces tangents. Et ça sert dans d'autres contextes. Alors, on va détailler un exemple. Et démontrons-en une. On va voir comment le déterminant jacobien intervient. On va démontrer la fameuse inégalité de Lévi-Gromov, toujours dans le cadre classique. C'est un peu ce à quoi on pense de plus fondamental quand on pense à des problèmes variationnels géométriques, c'est le problème isopérimétrique. Alors, théorème, inégalité de Lévi-Gromov. La preuve, je ne sais plus quelle est la date de la preuve. En tout cas, Lévi l'avait démontré il y a fort longtemps voilà. Alors, le papier de Gromov date de, je ne sais pas. En tout cas, Lévi, c'est 1919, où il s'intéressait à des bordes convexes, donc des variétés plongées de courbure sectionnelle strictement positive. Et Gromov, longtemps après, l'a généralisé avec une hypothèse seulement sur la courbure de Ricci. Et surtout, il a réparé la preuve parce que la preuve de Lévi ne tenait pas bien debout. Alors, qu'est-ce que ça dit? Soit M, une variété riemannienne vérifiant CD de Kn, avec K strictement positif et N fini. Bon, il y a des versions qui vous permettent de faire aussi K négatif. Par comparaison, si vous avez une bande sur le diamètre, des choses comme ça. Mais on va se placer dans cette situation-là. On sait qu'automatiquement, la variété est compacte par Bonnet-Myers. Et je prends A, un ensemble qui est là-dedans. Un ensemble un peu quelconque. Bon. Et je vais m'intéresser au volume de A, et plus précisément au volume relatif de A par rapport à M. Et pour faire la comparaison, je vais prendre la sphère qui est aussi CD de Kn. Donc ça, c'est l'espace de référence. Donc c'est Sn de racine de n-1 sur K. Et je vais l'appeler S, cette sphère de référence. Et je vais considérer la boule B, une boule dans la sphère, donc c'est une calotte, si vous voulez, qui a le même ratio de masse. Donc je vais demander que A sur M égale B sur S. A sur M, c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Quel que soit le nombre entre 0 et 1, je trouve la calotte sphérique qui correspond. Alors, D rond A sur M est supérieur ou égal à D rond B sur S. Ouais, André, ça va? Les deux côtés ne sont pas homogènes, mais de la même non-homogénéité, si on veut. Ici, c'est un... Alors, évidemment, ici, c'est un volume n-1 dimensionnel. Ici, c'est un volume n dimensionnel.
on peut, il faut le voir comme une version différentielle du truc précédent. Alors, ben justement, je vais donner la version homogène qui est équivalente. Donc, deux versions équivalentes. La première, c'est que si je regarde A epsilon égale l'ensemble des x tel que la distance de x à A est inférieure ou égale à epsilon, ben je pourrais écrire A epsilon moins A sur M est supérieur ou égal à B epsilon moins B sur M. Et même, comme j'ai pris de toute façon A sur M égale B sur M, je peux aussi écrire ça sous la forme A epsilon sur M est supérieur ou égal à B epsilon sur S. Pardon. Hein? Je peux traduire ça plutôt qu'en termes de mesure du bord, je peux le traduire en termes de mesure de l'élargie. De toute façon, il est entendu que des rois, ça va être un truc du genre lim sup de A moins A, A epsilon moins A, quand, sur epsilon, quand epsilon tend vers 0. Hein, c'est la définition de la surface. C'est dans la, quand vous faites la variation, c'est la façon dont ça a tendance à augmenter le volume. Bon. Alors, là, ça, c'est la première version équivalente. Et la deuxième version équivalente, c'est en termes de profil isométrique. Isopérimétrique, pardon. On appelle IM de alpha l'inf des rois sur M tel que A sur M est égal à alpha, fonction isopérimétrique, c'est si vous voulez la fonction qui a un volume donné associe la plus petite, le plus petit périmètre possible, la plus petite surface associée. Alors, ce que ça dit, cette inégalité, c'est exactement que, et c'est donc c'est très joli comme ça, si vous avez CD de Kn, alors la fonction isopérimétrique de M est supérieure ou égale à la fonction isopérimétrique de l'espace de référence, Sn de racine de n-1 sur k. Fonction isopérimétrique, à quoi ça ressemble? C'est une fonction qui définit entre 0 et 1. Quand alpha égale 0, elle vaut 0. Et quand alpha égale 1, elle vaut 0 aussi. Je suis en train de regarder la surface de, toute la, de tout l'ensemble. Donc c'est une fonction qui relie 0 à 0. Et on peut montrer, on peut calculer explicitement la fonction de la sphère. On peut montrer en particulier qu'elle est concave. Ça nous servira. Il y a une formule explicite pour ça. En gros, c'est la fonction qui, au volume de la calotte sphérique, associe le volume du périmètre de cette calotte sphérique, de la surface. Donc ça, c'est, j'insiste encore pour dire à quel point ça, c'est satisfaisant. Ça vous dit que sous juste une condition de courbure dimension, vous pouvez comparer les profils isopérimétriques de la variété aux profils isopérimétriques de la référence. Lévy utilisait ça pour démontrer ses propriétés de concentration sur la sphère, et puis il en déduisait des conséquences de type concentration gaussienne en passant la limite, en utilisant le fait que la sphère de grande dimension, elle ressemble à une mesure gaussienne quand on regarde la dimension qui tend vers l'infini, et si la courbure est aussi considérée de manière appropriée. Alors, ben on va faire la démonstration. Selon les lignes de Gromov. Question ?
Alors, esquisse de démonstration. Bon, je prends A, un ensemble quelconque, inclus dans M, et je regarde son bord, des ronds A. Et en chaque point du bord, il y a une normale, appelons-la nu, prenons la normale entrante, et de cette normale, je peux lancer une géodésique. Et puis je peux comme ça lancer plein de géodésiques. Et je vais m'intéresser qu'aux géodésiques minimisantes. Donc, et toutes ces géodésiques minimisantes, elles vont recouvrir A. On recouvre A par des géodésiques minimisantes. Issu de D rond A, de sorte que chaque X appartenant à A est ainsi relié au point de D rond A qui lui est le plus proche. Il n'y a pas forcément unicité, il y a des points qui vont être reliés par plusieurs géodésiques, mais ça va être un endroit petit. Ça correspondra au lieu de coupure de l'ensemble des ronds A. Hors du lieu de coupure, hors de ce qu'on va appeler cut de des ronds A, il y a unicité de la géodésique. Et quitte à éliminer cet ensemble de mesures nulles, on peut obtenir le volume de A en intégrant les longueurs de ces géodésiques. Alors évidemment, il faut faire attention, il va y avoir un facteur jacobien qui va sortir, ouais. Pourquoi les volumes nuls, le lieu de coupure, il va être d'une dimension au moins 1 inférieure à celle de la variété. Dimension au pire n-1. C'est, on peut voir ça en remarquant que le lieu de coupure correspond au lieu... En tout cas, le lieu où il y a plusieurs géodésiques. Quand il y a plusieurs géodésiques, ça correspond à un point de non-différenciabilité de la distance par rapport à A. Mais cette fonction distance par rapport à l'ensemble, elle est lipschitzienne. Donc, par Rademacher, l'ensemble de ces points de non-différenciabilité est de mesure nulle. C'est une façon de le voir. Alors, si on raffine en utilisant le fait que la distance est semi-concave, on peut même dire que c'est un ensemble de dimension n-1. Le lieu de coupure, dimension au plus n-1. Je vais mettre ici ça. Dimension de cut est inférieure ou égale à n-1, se voit car inclus dans l'ensemble des points de non-différenciabilité. De non-différenciabilité de la distance de x à a, à des ronds a. Alors ici, c'est le cut locus, alors je ne sais plus comment il s'appelle, plus précisément le sous-ensemble du cut locus, celui qui nous pose problème, le sous-ensemble où il y a deux géodésiques minimisantes distinctes.
Hein, il y a deux façons pour quelqu'un d'être dans le 4 locus. Soit qu'il y ait deux géodésiques minimisantes qui correspondent à ce point, soit qu'il n'y en ait qu'une seule, mais qui a un phénomène de focalisation qui fait que le déterminant jacobien de l'application exponentielle est nul, au point qui nous intéresse. Bon. Alors, donc celui-là, l'ensemble des points où il y en a deux, il est de mesure nulle. Si on regarde l'ensemble des points où le jacobien s'annule, de toute façon, comme le jacobien est nul dessus, il ne comptera pas. Alors, j'en déduis que volume de A est égal à l'intégrale sur D rond A de l'intégrale sur 0 au temps de coupure partant du point X de J de XT DX DT, où ça c'est le jacobien de l'application qui a xt associé exp x t nu de x. Bon. Ce jacobien, il vérifie des inégalités, des estimations, et la dérivée du jacobien, j point de 0x, correspond à eta, on va l'appeler eta, c'est la courbure moyenne de A, de D rond A en x. Et ce jacobien se compare au jacobien de l'application exponentielle sur la sphère qu'on va noter J eta de t, le déterminant jacobien de l'exponentielle sur la sphère partant de la calotte, du bord de la calotte sphérique du bord de B, eta, où B eta a courbure moyenne égale à eta. Donc ici, c'est la principale subtilité de la preuve. On ne va pas le comparer au jacobien issu de la boule que j'ai écrite ici. On va le comparer à un jacobien issu d'une autre boule, qui est une boule de courbure moyenne eta. Vous allez me dire, pour l'instant, eta, il dépend de x. Et la deuxième grosse astuce, la deuxième grosse idée de la preuve, c'est de dire qu'on pourra se limiter à un état qui est constant, précisément parce qu'on va regarder uniquement un volume B qui est minimisant, qui minimise l'air. Alors, avant d'aller là, je donne l'estimation du jacobien qui va bien. Le théorème de comparaison, en l'occurrence, il s'appelle Heinze-Kircher, avec un Heinze-Kircher. Si
la courbure moyenne. De d rond A est supérieur ou égal à eta, alors le volume de A est inférieur ou égal au volume de d rond A fois l'intégrale de 0 à r de A de j eta de xt dt, j eta de t dt. Alors, où R de A, c'est ce qu'on pourrait appeler le rayon de A, c'est le sup des distances de x à d rond A pour x appartenant à A. Et celui-ci, c'est le jacobien dans l'espace de référence. Avec j point de 0 égal à eta. Donc jacobien, quand on est parti de la boule dont la courbure moyenne est égale à eta. Bon. Alors, il est commode de mettre un plus ici, c'est-à-dire que on s'arrête quand il y a focalisation. Et si je regarde la sphère, là, c'est la vraie sphère que je dessine. Là, j'ai ma calotte. Mettons que je prenne la normale dans cette direction, c'est-à-dire que ma boule ici, c'est ici ma boule. Elle est de volume plus grande que la moitié de la sphère. Et quand je regarde l'application exponentielle, elle va s'annuler, le déterminant jacobien va s'annuler quand je vais atteindre le pôle sud, si ici c'est le pôle nord, et donc c'est un endroit où le déterminant jacobien vaudra 0. Tout ce qui se passe après, on l'oublie. Parce que de toute façon, la focalisation ne peut pas avoir lieu, avant le temps de coupure. Alors, ça c'est pas mal. Et on va utiliser cette estimation pour la preuve. Et donc là-dessus, Gromov nous dit appliquons cette formule à un ensemble A de périmètre minimal qui minimise le volume de D rond A à volume de A fixé. Bon, et c'est la grosse théorie de la théorie géométrique de la mesure. Geometric Measure Theory des années 60, 70, qu'il y a toujours une solution à ce problème, et c'est un ensemble dont le bord est de courbure moyenne constante. Et c'est un ensemble qui est régulier, sauf peut-être sur un espace de codimension au moins 7. Existe un A minimum avec courbure de d rond A égale constante. Courbure moyenne d rond A égale constante. Et les grands noms derrière, c'est les gens comme c'est Almgren et les autres. Donc ça, ce sont ces théorèmes extrêmement longs, extrêmement techniques, dans lesquels on travaille sur tous les ensembles, et petit à petit, en utilisant le fait que c'est minimal, on établit une régularité, la régularité. Les théorèmes sur lesquels sont en train de travailler des gens comme Delélis et Spadaro pour simplifier toutes les preuves. Alors, en tout cas, vous avez un ensemble minimum et on va l'appliquer à ça. On applique la formule à A
et à m-a. Alors, si a, il a une courbure moyenne constante égale à état, m-a, une courbure moyenne constante égale à moins état. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on change le sens d'orientation de la normale, ça change le signe de la courbure moyenne. Mais ça sera encore une constante. Et donc on va appliquer les deux formules, volume de A et volume de M-A. Donc d'une part, on aura A inférieur ou égal à D-Roi, l'intégrale de 0 à D de J eta plus de T dt. Et d'autre part, on aura M-A inférieur ou égal à D-Roi, intégrale de 0 à D de J moins eta plus de t dt, où d est le correspond à au temps qu'il vous faut, et le temps d'annulation de j eta dans l'espace modèle. OK. Alors là, on y est presque. Ici, c'est d état, ici, c'est d moins état. Et si je regarde ce que je peux réécrire ce truc-là aussi, avec la même formule dans laquelle, pour le coup, il y aura égalité, comme étant le volume de S moins B divisé par le volume de D rond S. Ici, c'est avec la sphère de, alors que je ne dise pas bêtise, S moins B moins état divisé par D rond B moins état. Où B moins état, c'est la boule dont la courbure moyenne est moins état. Et ici, pareil, ça sera égal à S moins B état en volume divisé par alors, ce truc-là, juste, divisé par d rond b eta. Égalité dans l'espace modèle. Bon, qu'est-ce que j'ai démontré avec tout ça? Ben là, j'ai une inégalité sur le volume de d rond a, là j'en ai une autre. Donc je dis que d rond a est supérieur ou égal au maximum de ces deux nombres. Et quand vous regardez, ça vous donne de a d rond b eta sur bêta. Et oui, pourquoi j'ai écrit S moins bêta? C'est juste bêta qu'il fallait écrire ici. Et ici, c'était B moins état qu'il fallait écrire. Mais ce qui est vrai, c'est que la boule moins état, c'est la même chose que la sphère moins la boule état. Hein, je reprends ce point parce que je me suis planté. Ici, j'ai réappliqué la formule juste pour dire qu'il y avait égalité quand c'était la boule dont la courbure moyenne était égale à état. Donc, cette intégrale du jacobien, elle s'écrit comme le volume de la boule divisé par le périmètre de la boule, la surface de la boule. Et ici, c'est la boule de courbure moyenne moins état, c'est le complémentaire de la boule de courbure moyenne état. Hein, sur une sphère, le complémentaire de la boule, c'est une autre boule. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici, que cette boule, c'était le complémentaire de la boule précédente. Les deux boules ont la même frontière, donc ici, ça ne change rien que je mette la surface de B moins état ou de B état. Bon, alors là, j'y suis. D rond A supérieur égal à max de A, D rond B état sur B état. Et M moins A fois D rond B état sur S moins B état. On va réécrire ça.
divisant un peu partout, en normalisant un peu partout par les volumes, des ronds A sur M est supérieur ou égal à max de A sur M. Donc je divise par M à gauche et à droite. Ici, je vais mettre des ronds bêta sur S. Et S sur bêta. Et ici, je vais mettre M-A sur M. Des ronds bêta sur S. S sur S moins bêta. Posons alpha égale A sur M. Et petit v égale bêta sur S. Ce qu'on a montré ici, c'est que c'était ça, avec ces notations, ça devient max de alpha. Ici, ça va être la fonction isopérimétrique, des ronds bêta sur S, c'est la fonction isopérimétrique de la sphère appliquée à V divisée par V. Et ici, ce nombre-là, c'est 1 moins alpha fois la fonction isopérimétrique de 1 moins V divisé par 1 moins V. Très bien. Bon, alors maintenant, c'est un petit exercice. Que ça, c'est égal à IS de alpha, car IS est une fonction concave telle que IS de 0 égale IS de 1 égale 0. Il s'agit juste d'appliquer l'inégalité de... Alors, pardon. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Quelque chose qui... Voilà, c'est bien. C'est supérieur ou égal, pardon. Maintenant, quand je minimise ça par rapport à V, donc des ronds alpha sur des ronds sur M, est supérieur ou égal à l'inf sur V, compris entre 0 et 1, de ces machins-là, et ça, c'est égal à IS de alpha. Et l'optimum est atteint pour V égal alpha. Bon, donc, ça, c'est une jolie preuve. Ça démontre bien exactement ce qu'on voulait. Et quel est l'avantage de cette preuve? C'est qu'on voit très bien où intervient la comparaison du jacobien à travers cette décomposition comme une intégrale sur le bord du domaine et le long des géodésiques. L'inconvénient, c'est qu'elle est très gourmande en régularité parce que dedans, on utilise en boîte noire ces très gros résultats sur la régularité des ensembles minimisants. Et pour donner un sens à cette preuve, donc donner un sens à la preuve, demande d'appliquer les résultats de théorie géométrique de la mesure. Il faut distinguer d'ailleurs selon que la dimension est inférieure ou égale à 7 ou supérieure ou égale à 7 ou supérieure ou égale à 8. Ça ne pose pas de problème si vous appliquez en boîte noire les résultats. Ce que ça dit, c'est que en dimension inférieure ou égale à 7, vous avez toujours une surface qui est suffisamment régulière. Si la dimension est supérieure ou égale à 8, il peut y avoir un ensemble de points de codimension, un ensemble de points qui vous pose problème, qui est de dimension n-7. Mais il ne vous pose pas vraiment de problème parce qu'en fait, on intègre que sur les points qui sont obtenus comme étant des limites de géodésique minimisantes. Les points qui vous posent problème, c'est des coins ou des choses comme ça.
et les coins, on les obtient jamais. Les géodésiques minimisantes vont les éviter. Donc, en fait, on est en train de faire l'intégrale sur un sous-espace qui est régulier. En fait, on fait l'intégrale sur un sous-ensemble de D rond A qui est toujours régulier. Bon, donc c'est gourmand en régularité. Et c'est dans un cadre lisse que cette preuve s'applique. Alors, le but du cours, c'est qu'à la fin, on soit capable de comprendre la version non lisse de ça et comment elle se démontre. Et je vais refaire le petit dessin que j'avais fait tout à la fin pour répondre à une question. Sur les espaces dans lesquels on aimerait bien travailler. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, Lévi-Gromov? OK. Dernière remarque, hein. J'ai mis ici IS de alpha, mais bien évidemment, c'est la même chose que IS de 1 moins alpha. Hein? Je regarde sur une sphère, c'est toujours pareil. Le complémentaire de la boule, c'est la boule qui a le même périmètre, dont le périmètre est le même. La fonction isopérimétrique, ça c'est vrai pour n'importe quel... n'importe quel ensemble, elle va être symétrique par rapport à 1,5 pour la simple raison qu'un ensemble et son complémentaire, ils partagent la même frontière. Alors, quel cadre ? Bon, dans les espaces, on va dire qu'on fait de la géométrie en plus grande généralité dans des espaces métriques. On va dire que plus régulier que les espaces métriques, il y a les espaces géodésiques, les espaces dans lesquels on peut définir des géodésiques. Encore plus régulier que les espaces géodésiques, il y a les espaces géodésiques non branchants. Donc ça, ce sont les espaces dans lesquels il existe des géodésiques. Ça, ce sont les espaces dans lesquels les géodésiques ne bifurquent que jamais. Et vous n'avez jamais deux géodésiques qui coïncident sur une partie non triviale avant de diverger. C'est des géodésiques, des espaces dans lesquels vous avez, si vous voulez, un principe de déterminisme de la géodésique. Si la géodésique commence d'une certaine façon, on sait où elle va aller. Évidemment, chaque fois que vous avez un espace assez lisse pour qu'il y ait des équations différentielles pour les géodésiques, ça va être un espace non branchant, si cette équation n'est pas trop terrible. Donc, espace géodésique non branchant, en passant d'espace métrique à espace géodésique, on a par exemple exclu les espaces discrets. Pas mal autre chose. En passant des espaces géodésiques aux espaces géodésiques non branchants, on a exclu les arbres et d'autres choses dégénérées de courbure négative. À partir des espaces non branchants, on va distinguer trois catégories intéressantes qui sont étudiées en géométrie. Alors, non branchant ou essentiellement non branchant, on définira plus tard ce que c'est essentiellement non branchant, mais en gros,
peut-être qu'ils sont branchants, mais pour un ensemble de géodésiques qui est tellement petit qu'il n'apparaît jamais dans aucun calcul et vous vous en fichez. Donc essentiellement non branchants. Il y a trois catégories d'espaces métriques intéressants qui vont être qu'on va trouver là-dedans. L'un, c'est les limites de variété riemannienne. Un autre, c'est les espaces de Cartan, Alexandrov, Topounogov à courbure sectionnelle minorée. Et un troisième, ce sera les espaces de Finsler-Lys. Hein ? Un espace de Finsler-Lys, c'est un espace dans lequel, en chaque point, la longueur du vecteur est calculée avec une norme, mais pas une norme euclidienne a priori. Un espace 4+, c'est un espace dans lequel la courbure sectionnelle est minorée par un nombre réel, au sens faible, au sens métrique. Et ici, on appelle ça les limites de variété riemannienne, Riemann-Barr, les limites de variété riemannienne à courbure de sous une hypothèse de minoration de la courbure de Ricci. Disons sous un CD de Kn avec n fini. C'est ce célèbre théorème de compacité de Gromov qui vous dit que quand vous imposez ça et une bande sur le diamètre, vous avez de la compacité qui arrive de manière très naturelle. Et les limites de tous ces espaces, on va les noter comme ça, Riemann-Barr. Alors après, plus particulier que les espaces à courbure minorée ou que les limites de variété, il y a les variétés riemanniennes. Plus particulier que les espaces de Finsler, il y a les espaces Rn avec une norme non euclidienne. Et puis, plus particulier, aussi bien que les espaces riemanniens et les espaces Rn, ça on dit parfois espace de Minkowski, vous avez l'espace euclidien qui est le plus parfait. Ou la sphère, l'espace euclidien, la sphère n'entrerait pas là-dedans. Alors, la théorie classique, elle s'applique là. La théorie classique. Bon. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on peut faire une théorie qui s'applique jusqu'ici, qui s'applique ici, qui s'applique ici aussi, avec certains raffinements, qui s'applique à tous les étages en dessous. Et donc, on peut généraliser considérablement la théorie classique de la courbure de Ricci pour aller jusqu'à inclure des espaces géodésiques assez arbitraires. Par exemple, on va voir que Lévi-Gromov, on peut le démontrer dans ce cadre d'espaces géodésiques non branchants. Et donc, il inclut aussi bien les limites de variété que les espaces 4+, ou que les espaces Finsler, dès qu'il y a une condition de Ricci minoré en un sens faible qu'on précisera. Donc, comment passer de ce degré, de ce niveau avec des variétés riemanniennes lisses, à ce niveau-là, où on ne suppose pas de régularité a priori, mais juste des espaces géodésiques, ou éventuellement des espaces géodésiques non branchants, ça va être l'objet du cours. Et pour ça, on va faire un long détour par diverses théories, à commencer par la théorie du transport optimal. D'autres questions ? Des questions ? Avant qu'on se lance dans le chapitre suivant, ouais. Si vous avez une géométrie lorentzienne, ouais. Ça va être tout... Le truc va changer. Peut-être que Kim sait ça. Do you know what which is the status of trying to do Ricci curvature, synthetic Ricci curvature in Lorentz spaces? Lorentz space? Did somebody explore this? I don't know. Okay. Non, je crois pas que ce soit
ça n'a pas été à l'ordre du jour. Ça le deviendra. Hein. Mais est-ce que tu as un analogue des inégalités de quelque chose qui serait ces Dedekind en Lorentzien? C'est plutôt des Ricci égales quelque chose qu'on regarde en Lorentzien, non? Pas supérieur égal à quelque chose? Ah, il doit y avoir quand même. Est-ce qu'il y a une inégalité isopérimétrique importante en Lorentzien? Bon, on regardera ça. D'autres questions? Peut-être le Sourimanien, tout ça. Alors, Sourimanien, oui. Qu'est-ce que tu vas appeler Sourimanien? Par exemple, type Eisenberg, des choses comme ça. Le problème que tu ne sais pas où va. Enfin, c'est pas déterministe, c'est ça? Je pense que c'est déterministe, mais il y a un problème, c'est qu'en général, non, enfin, tu sais définir ce que ça voudrait dire courbure de Ricci minorée, mais en général, il le vérifie pas. Pas dans les bons. Il vérifie des critères plus faibles que CD, des critères du genre propriété de contraction de la mesure, des choses comme ça. Mais il ne vérifie pas de borne inférieure sur Ricci au sens qui est là. Ouais, une courbure moins infinie dans certaines directions. Mais pourtant, il vérifie certaines des inégalités de la théorie. Je te ferai un... C'est une bonne question. Je vous ferai le compte-rendu là-dessus une autre fois. Autre question? Bon, ben alors on commence le chapitre 2. Pour l'instant, on n'était qu'en train de parler de géométrie, et maintenant on va parler que de problèmes variationnels et de minimisation et d'optimisation, et ça sera le problème du transport optimal. Premièrement, introduction et définition. En 1781, le problème de Monge, qu'on va reformuler en termes modernes, je regarde infimum de l'intégrale de C de x, T de x, mu 0 de dx, sous la condition que la mesure image de mu 0 par T soit égale à mu 1. Donc l'infimum est sur les T. Mu 0 et mu 1 sont des mesures de probabilité qui sont données. Et C est un coût qui est donné. Alors l'intégrale est sur un certain espace X, et on va supposer que C est défini de X croix X à valeur dans R. On n'aura pas besoin de situation plus générale. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réarranger une distribution de matière qui est répartie selon mu 0 en une autre distribution, mu 1, en se demandant quelle est la manière la plus efficace de réaliser ce transport pour que l'intégrale du coût depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée soit aussi petite que possible.
des recherches là-dessus et tout ça. Et le deuxième problème qui sera bon de garder en tête, 1942, le problème de Kantorowicz. On va noter avec un K. Ici, celui-là, ça sera M. Et la double, l'infimum, ou ici l'inconnu, on la notera pi, de la double intégrale de C de xy, pi de dx, dy, sur tous les pi, mesure de probabilité sur x croix x, dont les marginales sont mu0 et mu1. Alors, si vous voulez, on peut écrire ça, E0, E1, E, quand je regarde E0, mesure image pi, c'est mu0, et E1, mesure image pi, c'est mu1. Alors, on rappelle les notations. La mesure image de mu par t, c'est la mesure qui a A associé mu de T-1 de A. Et puis on notera E0 de XY égale X. E1 de XY égale Y. Bon. Donc quand je regarde que la première variable, je trouve mu0. Quand je regarde que la deuxième variable, je trouve mu1. Interprétation. Ben, pi est un plan de transport, un plan comme vous dessineriez si vous étiez un ingénieur. Là, il y a les x, là, il y a les y, et vous regardez tous les points tels que, il va falloir, tous les couples xy tels qu'il va falloir faire un transport du point x au point y. Et vous noircissez, par exemple, si vous voulez transporter beaucoup de masse, vous mettez beaucoup de masse sur votre dessin là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de masse qui va aller du point X au point Y. Et il faut qu'à la fin de la journée, toute votre masse qui était présente en, selon la configuration de départ, elle ait été transportée selon la configuration d'arrivée. Un exemple qui est le point de départ. Prenez C de XY égale X moins Y carré. Alors, quand je regarde l'intégrale double de x moins y carré pi de dx dy, ben je développe le carré, je trouve l'intégrale double de x carré pi de dx dy, moins 2 l'intégrale double de x scalaire y pi de dx dy, plus l'intégrale double de y carré pi de dx dy. Ici, j'ai une fonction qui dépend que de x, donc je peux appliquer la condition de marginale. Et je trouve que c'est l'intégrale de x carré mu0 dx qui ne dépend pas de pi. Et ici, je peux aussi appliquer la condition de marginale et dire que c'est l'intégrale de x y carré mu1 de dy qui ne dépend pas de pi non plus. Et donc, il me reste seulement moins 2 l'intégrale double de x scalaire y pi de dx dy. Et si je veux minimiser ça, c'est pareil que maximiser l'intégrale de ce produit scalaire. Et si je retraduis ça en interprétant pi comme la loi jointe de deux variables aléatoires dont les lois seront respectivement mu0 et mu1, je trouve que minimiser l'intégrale double de cpi est équivalent à maximiser la valeur moyenne de x scalaire y, ou la loi de x égale mu0, la loi de y égale mu1. Autrement dit, je me donne les lois de deux vecteurs aléatoires et je cherche à les réaliser d'une façon la plus corrélée possible, au sens habituel des corrélations.
Ça, c'est l'interprétation de ce problème de Kantorowicz, où on voit qu'en termes probabilistes, il se comprend très bien. Propriété de base. Les infimums, coïncident sous des hypothèses très générales. Le problème de Kantorowicz admet toujours une solution. En fait, c'est un problème qui est, si vous le regardez bien, fait par des contraintes linéaires. C'est un problème de programmation linéaire. C'est de l'optimisation convexe. Alors que pour le problème de Monge, c'est plus délicat. Parce que si vous y réfléchissez, T, il intervient par une condition de mesure image dans le problème de Monge. Ça, c'est une condition non linéaire un peu dégoûtante. On se limitera dans la suite. Alors, quel cadre ? On se limitera à X, espace métrique complet, séparable. Et le plus souvent localement compact. Et puis c'est continu à valeur réelle. C'est de x croix x dans R continu. Parce que ça suffira pour toutes les applications géométriques qu'on a en tête. Et on commence avec la dualité de Kantorowicz. Bon, K est un problème de programmation linéaire. Donc, il admet un problème dual. Alors, on va trouver formellement le problème dual, puis on va l'écrire, et puis on va admettre les résultats de dualité dans la généralité qui est intéressante pour nous. Alors, on écrit pour cela K, c'est infimum sur pi de l'intégrale de c de xy, pi de dx, dy. Et la contrainte, c'est la contrainte de marginale. La contrainte qui dit que pi a pour marginale mu0 et mu1. Bon. Donc on va dire que ça, c'est pareil que l'infimum. Alors je vais mettre pour tous les pi mesure positive, plus une fonction indicatrice au sens convexe, une fonction qui va valoir 0 ou plus l'infini, selon que pour tout phi de y,
pour tout psi de x, l'intégrale double de phi de y moins psi de x, pi de dx dy, est égal à l'intégrale de phi des mu 1 moins l'intégrale de psi des mu 0. Et plus l'infini sinon. Bon. Vous allez me dire pourquoi j'ai écrit comme ça phi de y moins psi de x. C'est pour être cohérent avec les notations qui suivront. J'aurais aussi bien pu mettre un plus ici. Pas d'importance. Bon, et ça, je vais dire que c'est la même chose que l'inf sur les pi positifs du sup sur tous les phi et tous les psi, sans me préoccuper ici de quel espace il s'agit, de intégrale double de c de xy pi de dx dy. Sauf que je veux, si c'est bon, plus l'intégrale de phi des mu 1 moins l'intégrale de psi des mu 0, moins l'intégrale double de phi de y moins psi de x, pi de dx dy. Parce que si jamais cette contrainte-là, si cette contrainte-là est satisfaite pour le phi et le psi que je regarde, ben j'ai juste rajouté 0. Et si elle n'est pas satisfaite, c'est que c'est un nombre différent de 0. Et à ce moment-là, je peux multiplier phi et psi par un très très grand nombre pour faire en sorte que ça devienne moins l'infini. Auquel cas, ça ne jouera aucun rôle dans le suprémum. Ou c'est le contraire, je le prendrai pour que ça devienne plus l'infini. Le suprémum deviendra plus l'infini, ça ne jouera aucun rôle dans l'infimum. Hein, si jamais il y a un phi et un psi tel que je prends un phi et un psi tel que ça soit non nul, je vais pouvoir, en multipliant par un nombre approprié, faire en sorte que le sup soit plus l'infini et ça ne jouera pas dans l'infimum. Arrivé là, je remplace, sans me poser de questions, l'inf sup par un sup inf. Et c'est peut-être égal à un sup sur phi psi de inf sur pi positif. Alors de quoi? Je vais essayer d'abord de rassembler ce qui dépend que de psi de phi. Ben là, il y a intégrale de phi des mu 1 moins l'intégrale de psi des mu 0. Et ensuite, il y a quelque chose là, par ce qui dépend de pi, ça va être l'intégrale double de c de xy moins phi de y plus psi de x, pi de dx dy. Bon. Alors, je regarde maintenant ce qui se passe quand je prends l'inf sur les pi positifs. Regardez, si jamais cette fonction, elle est négative quelque part, strictement négative quelque part, je vais prendre un phi qui va être une très très grande masse de Dirac pile en ce point, et ça me fera un inf qui sera moins l'infini. Si il existe xy tel que c de xy soit strictement inférieur à c'est que c de xy moins phi de y plus psi de x négatif, on choisit pi égale, alors disons x0, y0, voilà, on choisit pi égale lambda delta x0, y0 avec lambda tend vers l'infini, et ça rend l'inf égal à moins l'infini, et donc ça ne joue aucun rôle dans le suprémum. Donc, finalement, ça, c'est la même chose que suprémum sur phi psi de l'intégrale de phi des mu 1 moins l'intégrale de psi des mu 0 sous la contrainte
que pour tout x et pour tout y, phi de y moins psi de x soit inférieur ou égal à soit inférieur ou égal à c de xy. C'est la négation de ce truc-là. Bon, et ça, ça s'appelle le problème dual de Kantorovitch. Ou le problème de Kantorovitch dual. Sup sur tous les phi, tous les psi, de l'intégrale phi des mu 1 moins l'intégrale de psi des mu 0, sous la contrainte pour tout x, pour tout y, phi de y moins psi de x inférieur ou égal à c de xy. Bon. Et la dualité de Kantorovitch, ça consiste à trouver des conditions selon lesquelles il y a effectivement l'infimum là est égal au suprémum ici, et à en tirer des indications. Alors, l'interprétation économique de ça, c'est quoi ? Là-haut, infimum de l'intégrale de c de xy pi de dx dy, c'est je réalise le transport entre la masse initiale et la répartition finale. Et je fais ça pour que ça me coûte le moins possible. Ici, je confie le transport à un intermédiaire qui me fait payer un prix à l'achat et un prix à la revente. Donc, il achète la marchandise au départ selon un prix qu'on décide ensemble, qui est psi de x, et puis il me revend la marchandise à l'arrivée selon un prix qu'on fixe ensemble et qui est phi de y. Phi de y moins psi de x, c'est ce qu'il a gagné. Peut-être dans certains cas il a perdu, dans certains cas il a gagné, on ne dit pas que phi est toujours supérieur ou égal à psi, mais, pardon. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a gagné en chaque point. Ça représente le gain total. Ça, c'est tout ce qu'il m'a vendu, et ça, c'est tout ce que je lui ai acheté. Et cette condition-là, elle garantit qu'il ne me fait jamais surpayer le prix d'une marchandise qui est partie de x quand il arrive en y. C'est jamais plus fort que le prix de départ plus le coût de transport. Ça, c'est l'interprétation du convoyeur, du transporteur. Il vous fait une bonne offre de prix compétitif. Voilà, je ne vous fais jamais y payer plus que ce qu'il faut. Et puis, je cherche quand même à maximiser le plus possible mon profit. Alors, on va énoncer un théorème de dualité. Ah oui, alors avant d'énoncer les théorèmes, on va travailler sur ce truc-là. Cette contrainte rappelle la dualité de Legendre et en fait, quitte à, sauf à changer les signes, en transformant phi en moins phi, en prenant un coût qui serait x carré y ou quelque chose comme ça, ça sera exactement une inégalité de Legendre, du genre x carré y inférieur ou égal à phi de x plus phi star de y. Et on va étudier ça avant d'énoncer la dualité. Donc ça suggère une dualité sur les fonctions de x. Alors les fonctions, disons, de x dans R. Et on va rappeler ses principales propriétés. Donc, définition. Si j'ai une fonction psi de x définie sur l'espace x, une fonction qui correspond à ça, on lui associe sa transformation à psi de x. On associe psi c de y est égal à l'infimum des psi de x plus c de xy
infimum sur tous les x. Et puis, à phi de y, on associe phi c de x est égal au suprémum sur les y de phi de y moins c de xy. Vous allez me dire, mes deux fonctions, là, elles sont définies sur le même espace, donc je suis en train de donner deux définitions différentes. Mais en pratique, on aura toujours une fonction du point de départ et une fonction du point d'arrivée, et c'est ça les conventions qu'on utilisera. La fonction de départ, quand on voudra prendre la transformée, on prendra la formule avec l'inf. Si c'est une fonction du point d'arrivée, on prendra la formule avec le sup. Ça, ça change une fonction du point de départ en une fonction du point d'arrivée, ça, ça change une fonction du point d'arrivée en une fonction du point de départ. Et on dit que on développe à partir de cela la notion de C-convexité. Et c'est tout particulièrement Ruschendorff qui a développé dans un cadre abstrait les propriétés de cette notion. Définition. Si de x dans R, union plus l'infini, et C convexe, si il existe une fonction zeta de x dans R union moins l'infini, telle que psi soit égal à zeta c. Et c'est équivalent à dire que psi cc est égal à psi. Donc là, on a une analogie avec la dualité habituelle de Legendre, une fonction convexe et une fonction qui est égale à sa biduale. On définit alors le C sous-différentiel d'Héronce et psi de psi. Comme étant l'ensemble des couples xy tels que psi c de y moins psi de x est égal à c de xy. Autrement dit, les couples qui saturent l'inégalité. Et j'aurais pu mettre ici, hein, je rajoute ici, que pour tout x, pour tout y, par définition, on a psi c de y moins psi de x inférieur ou égal à c de xy. Et ce qu'on dit ici, c'est que on s'intéresse à l'ensemble des couples qui sature l'inégalité. On appelle ça le C sous-différentiel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet ensemble? Il a une propriété géométrique très particulière qui, là encore, est complètement parallèle à la propriété analogue dans la théorie des fonctions convexes. Il est C cycliquement monotone. Propriété si psi est C convexe, alors d'Héronce et psi est C cycliquement monotone. Ce qui veut dire quoi? Alors définition, gamma inclus dans x croix x, donc un ensemble de paires, et C
cycliquement monotone, je noterai CM, si pour tout n appartenant à grand N et pour tout x1, y1, etc., xn, yn appartenant à gamma, la somme des C de xi, yi est inférieure ou égale à la somme des C de xi, yi plus 1, avec la convention yn plus 1 égale y1. Dit en termes de transport optimal, si vous pensez à la somme des C de xi, yi comme les moyens de transporter n petites masses de Dirac situées dans les xi en n petites masses de Dirac situées dans les yi, on est en train de dire que l'appariement des xi aux yi, il est meilleur que si je change les xi en yi plus 1. Avec les propriétés habituelles des permutations, je pourrais aussi mettre ici y sigma de i pour n'importe quelle permutation. C'est équivalent à quel que soit n, quel que soit x1, y1, etc., xn, yn, appartenant à gamma, somme des c, xi, yi, inférieur ou égal à somme des c, xi, y, sigma de i, quel que soit sigma appartenant à sn. Alors, dérons ces psi, c'est cycliquement monotone. Il y a une réciproque. On va appeler ça Rockefeller-Ruschendorff. C'est une preuve qui est due à Rockefeller dans le cas des fonctions convexes. Et tout passe sans problème au cas des coûts généraux, comme ça a été démontré par Ruschendorff. Donc, si gamma est C cycliquement monotone, alors il existe psi, une fonction C convexe, telle que gamma soit inclus dans le C sous-différentiel de psi. Donc, ces ensembles, ils sont toujours, qu'est-ce qu'on va dire, les sous-différentiels, les C sous-différentiels des fonctions C convexes, c'est les ensembles C cycliquement monotones maximaux. Bon, et maintenant on est prêt à énoncer un théorème d'optimalité et de dualité. Théorème d'optimalité et de dualité. Cas particulier du théorème 5.10 de mon livre Optimal Transport Old and New. On va supposer, donc hypothèse, que C est continu, minoré, et C de xy inférieur ou égal à A de x plus B de y, où A, B sont continus. A appartient à A est continu inter L1 de mu, 0, et B est continu inter L1 de nu, de mu 1. Bon, juste là, je suis en train de dire que je peux majorer le coût par une fonction continue intégrable de x plus une fonction continue intégrable de y.
Alors, le min de l'intégrale double de c de xy, pi de dx dy, sur tous les pi qui ont les bonnes marginales, est égal au max, ici c'est bien un max, il est atteint, de intégrale de phi des mu 1 moins l'intégrale de psi des mu 0 sur tous les phi psi qui vérifient la condition phi moins psi inférieur ou égal à c. C'est pareil que le max sur tous les psi de l'intégrale de psi c des mu 1 moins l'intégrale de psi des mu 0. Et c'est pareil que le max sur les psi c convexes de la même chose. L'intégrale de psi c des mu 1 moins l'intégrale de psi des mu 0. En outre, si vous pouvez utiliser le problème primal pour vérifier l'optimalité dans le problème dual et vice-versa. En outre, pi est optimal si et seulement si le support de pi est C cycliquement monotone, et si et seulement si il existe psi optimal, psi une fonction C convexe optimale, tel que support de pi est inclus dans des ronds C-psi. Et réciproquement, psi C convexe est optimal dans le problème dual si et seulement si il existe pi optimal tel que le support de pi est inclus dans des ronds C-psi. Et puis, on peut dire qu'il existe un ensemble gamma C cycliquement monotone, tel que pi est optimal si et seulement si pi de gamma égale 1, et psi est optimal si et seulement si gamma est inclus dans des ronds C-psi. Autrement dit, il y a un ensemble géométrique gamma associé à mu 0, mu 1 et c, tel que tout se joue par rapport à cet ensemble gamma. Si psi, et dire que psi est optimal, c'est la même chose que dire que le sous-différentiel de psi contient gamma. Et dire que pi est optimal, c'est la même chose que dire que le support de pi est inclus dans gamma. Donc vous avez ici une caractérisation géométrique de l'optimalité. Gamma, c'est quoi? Ben, y a plusieurs gamma qui peuvent marcher dans l'énoncé, mais il y en a un plus petit, il y en a un plus grand, et on peut écrire explicitement, en un certain sens, ce que ça veut dire plus petit et plus grand. Pour gamma, on peut choisir, par exemple, gamma égale, ce qu'on note, égale l'union des supports de tous les pi sur tous les pi optimaux.
et prendre l'adhérence de tout ça. Et on va l'appeler M, cet ensemble. Ou encore, gamma est égal à l'intersection sur tous les psi C convexes optimaux des ronds C psi. Et cet ensemble, on l'appellera A. Celui-ci, c'est une version non lisse de ce qu'on appelle l'ensemble de Mather en théorie des systèmes dynamiques. Et celui-ci, c'est une version non lisse de ce qu'on appelle l'ensemble d'Aubry en théorie des systèmes dynamiques. Alors, en général, pour les gens qui font des systèmes dynamiques, quand ils disent ensemble d'Aubry, ensemble de Mather, ils ne regardent pas sous la forme point de départ, point d'arrivée. Ils regardent sous la forme point de départ, vitesse de départ. Donc pour eux, c'est des graphes dans un espace tangent. Mais nous, on n'a pas de structure différenciable. Donc c'est point de départ, point d'arrivée, la bonne représentation. Et pour passer à l'ensemble de Nobry, l'ensemble de Mather correspondant classique, il faut juste faire la transformation à x, y. On associe x, la vitesse, qui permet d'aller de x à y. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la suite, je rappelle sur le transport, on va dire ce qui se passe dans le cadre régulier, si je fais du transport sur une variété riemannienne plutôt que sur un espace métrique quelconque. Et puis on parlera ensuite d'interpolation et de distance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça me dit le transport vu comme une notion de distance entre mesures et puis comme une notion d'interpolation où je vais passer continuellement d'une mesure à une autre. Et donc, ce n'est pas la semaine prochaine, mais c'est celle d'après, la prochaine séance. Des questions ? Là, c'est des rappels de base. Et l'idée, évidemment, qu'il va y avoir, c'est que pour définir la notion de courbure de Ricci, pour définir CDKN, on va lire non pas sur des géodésiques, des déterminants jacobiennes géodésiques, mais sur l'évolution de la mesure le long du transport optimal. Et un transport optimal, c'est une façon de considérer plein de géodésiques à la fois, et regarder l'évolution d'une fonction intégrale de la densité ou quelque chose comme ça, ce sera une façon de regarder un déterminant jacobien sans le dire, ou plutôt de regarder quelque chose qui sera comme une intégrale faisant intervenir un déterminant jacobien, de sorte qu'on n'aura pas à écrire un déterminant jacobien, mais on s'intéressera à des variations de densité le long du transport optimal. Un déterminant jacobien, ça vous renseigne sur la façon dont si vous pensez à un fluide qui se balade selon les géodésiques, en fonction du déterminant jacobien, ça vous dit si la densité du fluide augmente ou diminue. Déterminant jacobien plus petit que 1, le fluide va augmenter, plus grand que 1, le fluide va diminuer, à moins que ce soit le contraire. Oui, c'est ça, la densité va augmenter. Volume occupé va augmenter, quand le volume occupé augmente, la densité diminue. Et donc, au lieu de regarder des évolutions de déterminants jacobiens, on va regarder des évolutions de densité. Au lieu de le faire le long d'une géodésique, on va le faire le long de plein de géodésiques à la fois. Transport optimal nous permet de regarder toutes ces géodésiques à la fois, parce qu'on va partir d'une mesure pour arriver à une mesure, et donc ça nous fera quelque chose d'intégral, quelque chose qui sera moyenné sur tout l'espace, et donc quelque chose qui sera beaucoup plus stable. Comme en théorie des distributions moyennes par rapport à des fonctions de test, ce qui tient le rôle de moyenne pour nous, ça va être ces mesures, mu0 et mu1, mesure de départ, mesure d'arrivée. Problème géodésique classique, on part d'un point, on veut arriver à un autre en minimisant le coût. Maintenant, on part d'une mesure, donc pour arriver à une autre mesure, c'est une version étalée, moyennée de ce problème de géodésique. Et toutes nos propriétés CD de KN, le sport, ça va être de les retranscrire en propriétés associé au transport optimal. Voilà. Alors, le chemin est encore long, mais on a le début de la feuille de route. Et question ? Ouais. C'est tout au début, justement, tu as une géodésique, tu calcules le carré de l'accélération. De la longueur, de la vitesse. Oui, de la vitesse. Bon. Et disons que tu as deux moyens, disons, de borner un petit peu cette vitesse inférieurement. La seconde, c'est en considérant des trajectoires, enfin, disons,
des trajectoires orthogonales, je dirais presque. Mais pour les géodésiques, on les prendra toujours à vitesse constante, de sorte que le module, le nombre de la vitesse sera constante. Ça ne sera pas un problème. D'accord. Non, mais tu te places dans des plans orthogonaux. Et là, tu as en déduit, disons, une minoration meilleure. Qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce que... Ah, quand je me mets orthogonalement à la distance. Ben, c'est ce qu'on disait. C'est facile à comprendre, pour le coup. Il faut se représenter la sphère. Bon, je me déplace le long de la sphère. Voici une géodésique. Bon, je regarde comment évolue un petit élément. Petit élément, une petite distance transversale. Elle s'écarte, puis ça diminue, etc. Et si j'écris l'équation correspondant à ce petit élément de longueur, je verrai un truc genre concave, quelque chose comme ça. Mais si j'écris l'évolution d'un petit élément de longueur qui est dans le sens du mouvement, eh bien, ça ne change jamais. Les longueurs dans la direction du mouvement sont préservées. Autrement dit, les effets de la courbure, on les sent pour toutes les directions qui sont orthogonales au mouvement. Ici, une courbure sectionnelle, par exemple. Donc la sphère de dimension n, je vais regarder comment les distances le long du transport varient. Je vais trouver qu'il y a n-1 direction dans laquelle ça varie et une direction dans laquelle ça ne varie pas. Et ça correspond au fait que la courbure de Ricci, évidemment, ça va être n-1 fois la métrique et pas n fois la métrique. Et donc, il y a comme ça quelque chose qui est quelque chose à gagner. Parce que quand je regarde un volume, c'est n dimensionnel et ça tient compte du mouvement longitudinal. Mais on peut aussi se dire qu'on va factoriser par ce mouvement longitudinal et regarder juste une évolution d'un élément de surface. À la courbe de Ricci, d'ailleurs, on donne souvent les deux interprétations en termes distorsion des volumes et en termes distorsion des surfaces orthogonales au mouvement. Et les deux interprétations sont équivalentes, parce que de toute façon, il ne se passe rien dans la direction du déplacement. Alors, même si les deux interprétations sont équivalentes, au plan technique, pour avoir les inégalités, c'est un peu du sport, et ce n'est pas juste factorisé, parce que le mouvement transversal et le mouvement longitudinal, ils ne sont pas indépendants. Donc, c'est du sport, mais moralement, c'est toujours l'idée que tout ce qui se passe comme distorsion, ça se fait dans le plan orthogonal au déplacement. Autre question sur Lévi-Gromov. Voilà. Bon. Eh bien oui, alors comme je vous disais la dernière fois, hein, la preuve est très lisse et c'est resté un gros problème dans la théorie de savoir comment gérer du Lévi-Gromov dans un cadre non lisse. Jusqu'à il y a quelques mois. Et donc, ça va être le point central du cours, enfin, disons, un point de mire plutôt, expliquer cette nouvelle démonstration qui est apparue de Lévi-Gromov non lisse et comment elle s'insère dans une théorie générale pour considérer la courbure de Ricci non lisse. Et comment, par exemple, elle s'applique tout de suite à des limites de variété riemannienne, alors qu'on ne sait pas. Faire de la rectifiabilité à la Almgren sur une limite de variété riemannienne. On n'a pas de théorème de ci et cela. On ne peut pas refaire la preuve même sur un espace qui serait une limite de variété riemannienne. Voilà.